pourriez peut-être éventuellement risquer votre vie en vous égratignant le pied sur une écorce d'arbre. Mon arme n'est pas terrible, hein. C'est l'arme de base des classes d'assaut. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Oh, oh d'accord. Oh merde. Achevez-le, il souffre. Si ma perso essaye de comprendre le langage des noix de coco, c'est qu'elle est bonne pour la vie, là. Don't disappoint me. Or I'll make you wish you could die. Salut à tous, j'espère que vous m'entendrez, c'est Nasband. Adra n'était pas encore là, mais je tenais quand même à vous dire. Cette semaine, on aurait dû tester Soldier Front. D'ailleurs, vous voyez là, le jeu est lancé, j'ai fait une mise à jour et tout. C'est pas un problème, mais là je peux pas baisser le son, donc j'espère vraiment que vous m'entendrez. Par contre, ce type de jeu, c'est le type de jeu qui a été codé avec les pieds durant un tsunami, je sais pas, parce que là franchement, il faut vraiment être un élu pour pouvoir y jouer, parce que autant Adraet arrive à le lancer, autant moi je peux aller me faire foutre là. D'ailleurs, vous voyez. Là j'ai le temps que je parle, il m'a dit vous devez sélectionner un serveur en 30 secondes, sinon le jeu va se fermer. La réaction logique serait de cliquer sur confirme que la boîte de dialogue se ferme et que vous puissiez sélectionner un serveur, mais non, quand vous cliquez sur confirme ou sur la croix, ça vous ferme carrément le jeu. Alors voilà, je vais pas le faire, mais concrètement, si j'essaye de sélectionner un serveur, le jeu freeze. Ça peut être n'importe quel serveur, hein, le US West, le US East ou le Europe Server Beta, c'est de toute façon la même chose, donc voilà. Soldier Front, on l'a dans le cul, désolé les gens, donc à la place, on va tester soit Luminari, soit Lunia, donc à tout de suite les gens pour la suite de la vidéo. Mais, ah bah voilà, ça marche. Super, bon bah désolé les gens pour cette magnifique début de vidéo, ah bah voilà, ça marche. Ben voilà, c'est Nasband et Adraet, hein. On aurait dû tester Luminari à la place de Soldier Front, mais voilà, je vais laisser Adraet expliquer pourquoi. Ben, tout simplement parce que bon, pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, on a voulu installer Luminari. Bon, ça va être un petit peu laborieux, mais jusque-là, pas trop de problème, hein, n'est-ce pas? Ensuite, on a voulu s'y connecter. Le programme était en maintenance. Bon, pourquoi pas? Après tout, ça, les maintenances, ça arrive. Parfois, ça arrive, hein. Donc, du coup, on a attendu quelques heures. On a voulu réessayer. Toujours rien, alors ça me paraissait bizarre. Oui, là c'est trois jours. Nasband est allé voir sur le site et la dernière news de leur site disait qu'ils faisaient une maintenance de 30 minutes. Il y a un an et demi. Voilà, on n'a pas la même notion du temps, Luminari et nous, mais voilà, hein, après tout, leurs 30 minutes sont peut-être bientôt finies, hein, dans 10 ans on retournera voir, mais en tout cas là pour l'instant on n'a pas envie de se prendre la tête avec ça. Donc voilà, on teste un jeu qui est accessible, quoique celui-là c'est pas encore sûr, hein, parce que je vous dis pas le nombre de bugs que j'ai eu avant de réussir à lancer Fraps là-dessus. Donc là en fait j'ai absolument pas le droit d'éteindre l'enregistrement. Voilà, donc là ça va être du brut de chez brut. Hein. Voilà, donc si je coupe l'enregistrement maintenant, je suis obligé de redémarrer mon ordinateur pour redémarrer une capture Fraps. Vous en conviendrez, c'est un peu... Petit point que je peux noter déjà, on n'est pas obligé de se retaper le tutoriel. Oui. Alors, vous voyez qu'on a déjà des persos créés, mais pour le truc, surtout pour ce jeu, en fait, c'est... comment vous dire ça? Comment je pourrais vous dire ça? Oui, faudrait déjà préciser, parce que même s'il y a le titre, on va quand même préciser à quoi on joue, je pense. À Lunia. Voilà. Lunia est édité par IG actuellement. Exactement. Donc, pour ce jeu, surtout, c'est nécessaire de créer des nouveaux persos, parce qu'en fait, ça s'appelle, j'ai vérifié, c'est bien un MMORPG. Sauf que c'est un MMORPG vraiment scénarisé, c'est-à-dire que vous pourrez pas vous balader partout, vous êtes obligé de faire des quêtes. Moi, perso, je suis assez séduit par le principe. Ceci dit, j'ai pas, tu m'avais dit pendant le pré-test qu'on avait l'impression de prendre part l'action, au scénario, mais en fait, on voit jamais notre personnage. On voit toujours les trois mêmes abrutis, donc j'ai pas l'impression que notre personnage prend réellement part. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que suivant le personnage que vous prenez, les personnages qu'on verra dans les petites cinématiques diffèrent. Ça aussi, c'est un bon petit point à citer. Ils se sont foulés un peu. Donc là, on a différentes sortes de personnages, dont certains débloqués. D'ailleurs, la seule qui me plairait vraiment, c'est celle avec le katana. Je peux pas la prendre pour l'instant. Voilà, même chose. Donc voilà. Il faut les acheter avec de l'argent réel. Je suis pas sûr, peut-être pas, hein, bêtement. Peut-être que simplement. Je pense que si, puisque quand tu passes dessus, il y a marqué Boy Card. Et le système d'achat de cartes de personnages me fait beaucoup penser à
zut, à Mabinogi, dans lequel il y a des, il faut acheter des cartes de création de personnages spéciales pour pouvoir créer des personnages avec des coupes particulières ou des trucs comme ça. Voilà. Ça me fait beaucoup penser à ce système, en fait. Bon, ben là, on n'est pas tout à fait sûr. Alors, peut-être que simplement en finissant des scénarios avec un personnage, vous en débloquez d'autres. Peut-être qu'il faut payer, on n'en est pas sûr du tout. Si vous le savez, dites-le nous en commentaire, une fois de plus. Bon, alors moi, je vais choisir... elle est où, ma mage noire, là? Je l'aimais bien, celle-là. J'arrive pas à la retrouver. Au bout de la première ligne. Ah, merci. Voilà. Donc, oh mon dieu, c'est un luxe, j'ai 3 barres de connexion dans la connexion. Oh mon dieu. Un petit truc par rapport au personnage, ne choisissez pas un personnage au hasard. Hein. Là, par exemple, ce personnage-là a une difficulté à jouer moyenne. Par exemple, si vous prenez elle, Tia, qui est une voleuse, vous aurez du hard. D'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que la plupart des classes corps à corps sont hard, tandis que les classes magiciennes sont easy, alors que normalement dans les... Oui. C'est assez paradoxal parce que pour les connaisseurs de MMO, vous saurez facilement que les guerriers ont généralement beaucoup de vie, beaucoup de résistance. Donc du coup, en général, c'est ceux qui sont les plus faciles à jouer parce qu'ils encaissent le plus facilement les dégâts. Tandis qu'avec des mages, il faut plus courir, faire attention à pas se prendre de coups. Là, concrètement, c'est pas le cas, a priori. Ok, il va falloir que j'invente un nom au hasard. Voilà, j'en ai inventé un. Bon, la dernière fois que j'ai fait la dernière fois que j'ai fait la capture, ça a planté au chargement. Donc j'espère vraiment que ce sera pas le cas parce que là. Les chargements sont longs. Hein. Oui, vous avez le temps, et on plaisante pas, hein, vous avez largement le temps d'aller vous prendre un café hein, pendant les chargements. Do you wish to proceed the tutorial? Non, merci, ça ira. On va t'as plus qu'à aller dans le premier canal, où je t'attends. Oui, voilà, Chargement. Faudrait peut-être dire un truc ou deux pour meubler, là. Meubler. Bon, merci. Ce fut très utile. Note, le chargement, il est fini dès que t'as dit ça. Hein, donc Voilà. je suppose que c'est toi que je vois à côté de moi. Oui, super. Ici, vous voyez, si vous voyez le curseur de ma souris, mais ça doit être le cas, la qualité de ma connexion. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on est très éloigné des serveurs Rikin, mais en fait, on dépasse jamais les 3 barres. La plupart du temps, on tourne à 2 barres. Ce qui fait qu'on aura souvent des mini-lags en jeu. Et sur ce type de jeu, bah, vous verrez, c'est franchement chiant. Mais vous avez pas idée comment. C'est handicapant. C'est handicapant quand vous devez récupérer des objets parce que vous devez passer 15 fois sur le même objet pour arriver à le récupérer. C'est assez lourd. C'est-à-dire que je sais pas si ça va se voir si moi je bouge, mais il y a des moments où je me téléporte en fait. Non, ça se voit pas. Ah, bah écoute, tu peux le montrer, toi bouge un peu dans tous les sens et puis normalement tu devrais faire des espèces de téléportations. Oui, on en a eu une juste avant. Voilà, là on en a une. Dans tous les sens, hein, tu changes de direction brutalement et. Ah oui, là normalement tu vas. C'est surtout pendant ces petites manœuvres là, j'ai remarqué. Quand on va dans une seule direction sans trop bouger, ça va encore. Oui. Par contre, dès qu'il s'agit de faire des mouvements pointus, des esquives ou des trucs comme ça, ça se met à bugger. En fait, le mouvement qui vous sera le plus utile, c'est celui que je vous montre en ce moment, c'est le. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le double dash en fait. Vous marquez. On peut d'ailleurs en accumuler 2 a priori. Oui, je remarque. En fait, on peut en accumuler autant qu'on veut. Hein, si on regarde. Bon, allez. On va aller directement faire une quête. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la quête actuelle? Tu as récupéré la quête chez le premier mec? Oui. Bon, d'accord. Allez, je suppose que si tu entres dans un stage, ça me fait entrer aussi. Logiquement. A single player, non. Public party non, party list tu vois. Merde, comment je... Bah c'est bizarre ça, comment je peux... Alors attends, quick party, start stage, create, party list. Bon attends, je vais essayer avec quick et puis on verra bien. Ok. Donc si je vais dedans et puis que je mets quick party... Non, ça va t'en créer une, essaie de regarder les party list. Ok. Enfin quand j'aurai chargé. Ça charge tout seul en fait, donc peut-être que je vais te rejoindre. Hein. Bah espérons, ça serait pratique. Ouais, ce serait sympa. Bon, c'est là en fait que les chargements, les temps de chargement prennent toute leur ampleur. Hein, c'est. Vous remarquerez d'ailleurs les petits chargements, il n'y en a pas masse. Hein, hein. Ah oui, pendant ce temps-là, je peux quand même vous signaler au passage, pour ceux qui l'ignoreraient, qu'on est maintenant disponible sur Dailymotion. Oui. D'ailleurs, vous avez l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran en ce moment même. Donc, quelle est la différence sur Dailymotion? C'est que Dailymotion nous a accepté en tant que motion maker. D'ailleurs, on tient à les remercier pour ça. Ouais, merci beaucoup à eux. Ouais, et concrètement, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'on peut mettre des vidéos de 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures à la taille qu'on veut sur Dailymotion. Donc voilà.
Donc, en gros, on n'a pas la limitation qui s'impose à YouTube tant qu'on n'a pas 3 ans d'ancienneté, 500 vidéos. Oui, avec 3 millions de vues par vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y en a qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien avoir des vidéos entières sans les playlists, et d'autres qui me disaient qu'ils préféraient les playlists parce qu'ils pouvaient faire des pauses. Ben, maintenant, vous avez le choix. Hein. D'ailleurs, pour les utilisateurs de Dailymotion, vous avez une autre adresse YouTube qui s'affiche maintenant. Et toujours pendant le chargement, je tiens à faire un petit peu de pub, même si ce petit personnage a plus d'abonnés que nous, c'est pas grave. Je vous parlais de Naloui, aussi P2P2 13, vous avez aussi l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Ça commence à faire beaucoup d'adresses qui s'affichent en bas de l'écran, là, il va falloir que je fasse le ménage. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un jeune homme, on peut dire ça comme ça, parce qu'à la voix il doit avoir 13 ou 14 ans, hein, me linge pas si t'as plus que ça, mais en tout cas c'est ce que j'ai déterminé. Et il nous fait des petits vidéos tests de 2-3 minutes sur des vieux jeux rétro comme des jeux plus récents. Moi j'ai trouvé ça assez sympa, donc je vous conseille d'aller jeter un œil chez lui. Donc voilà, je crois que j'ai meublé le plus possible là et on est toujours en putain de chargement. Moi j'ai fini de charger, donc je ne sais pas si ça va me mettre au même endroit que toi, ça sera sympa. Ouais bon, attends là... Putain, c'est pas vrai. J'aurais dû prendre un café là, sérieux. J'aurais dû prendre un café. Ah, tu m'excuses là, je vais prendre un café. Voilà. Ah, j'ai mis le café à bouillir. Putain. Mais bon, attends, je fais jouer avec mon marteau, ma foi. Ouais, bah, ma foi. Voilà le truc qu'il y aura le plus dans ce test. D'ailleurs, je pense que l'image de la preview que proposera YouTube, ce sera un écran de chargement. À tous les coups. Alors on fera des coupures sur les écrans de chargement, parce que si on doit vous mettre 10 minutes de chargement à chaque fois, ça va pas le faire. Non, j'ai pas le droit de faire de coupure, tu te rappelles? Ah. Je n'ai point le droit. Ah, tiens. Oh, merveilleux. Nous sommes ensemble, donc faut parler à ce con-là. Bon, une chose... Oui. Une chose qu'on peut préciser quand même, c'est que ils se sont pas fait chier pour faire des dialogues aux PNJ, hein. Putain. Ils nous disent la location, les monstres à éliminer et le PNJ à parler. Mais alors concrètement, si on était dans la vraie vie, ça ferait comme ça. Bonjour vieil homme, qu'avez-vous comme quête pour moi? Eh bien, location, Ramon de Chaprairie, monstre à éliminer, Orc Mutuscout et le NPC à parler, c'est lui là-bas. D'accord, vieil homme. Regarde donc ce que je viens de trouver. Grâce à une de mes touches de manette. Oui, parce que pour savoir. Oui, ça on l'a pas précisé, mais. Certaines manettes sont automatiquement configurées. Par exemple, moi je joue avec une manette Xbox, elle est automatiquement configurée. Par contre. Vu qu'en fait, enfin, à part que j'aurais préféré le stick pour bouger plutôt que la croix multidirectionnelle, mais bon, tant pis. Bon, par contre. Du coup, par un des boutons, j'ai trouvé ça. Oh, sympa ça. Bon, si je le charge pas, ça fait que ça, mais si je prends le temps de le charger, ça, à mon avis, ça doit faire des ravages. Si j'arrive à trouver les options, je vais configurer ma manette aussi. Ah bah je les ai trouvées. D'ailleurs, pendant qu'on a un petit silence, on notera la voix de mon perso. Hein. Oui, il y a des voix qui font plus japonisantes que dans d'autres jeux. Je sais pas si on a entendu. Oui, on a entendu. On entend même très bien. Il y a pas moyen de configurer la manette là, sérieux? C'est pas vrai, j'ai une manette qui est connectée à mon PC. Surtout pour un jeu de ce genre. Je vais essayer d'aller cogner sur des loups avec ce truc là, tiens. Oh, attends, voir. En fait, je... Oh oui, c'est dévastateur. Alors oui, attends, je peux... La manette est configurée pour les touches, ça, pas de problème. Je peux... Là, j'utilise ma manette pour faire ces coups-là. Mais impossible de bouger. T'as pas un stick et une croix? Parce que moi, j'ai deux sticks et en fait, c'est la croix qui fonctionne. Ouais, moi aussi, c'est la croix, en fait. Bah, je joue avec la manette, tiens. Enfin non, voilà. J'ai pris l'habitude de jouer au clavier, je joue au clavier. Juste, je veux quand même te montrer ça. Attends, c'est quand même assez dévastateur. Je vais te montrer la mienne, regarde la mienne. C'est pas mal aussi. Oui, c'est pas mal aussi. Et ça, c'est quand je fais le ménage. Ouais, moi aussi. À noter que c'est une Mago qui tape aussi fort que la perso d'Adrette avec son... Ah oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Le perso de Nasband est une mage, enfin une soigneuse corrompue, oui, en quelque sorte, d'après ce que j'ai compris, et mon personnage est une ingénieuse. D'accord. Une ingénieure. Bon. Je vais essayer un skill. Oula, ils font mal mes skills. Alors, oui. Je voudrais juste essayer ce truc-là. Ah, donc là, ça, c'est quand on l'a foutu par terre. Voilà. Quand il est par terre, normalement, tu as une touche qui te permet de faire un coup dans ce genre-là. La touche espace. C'est comme mon coup non chargé. C'est ça. La touche espace, oui.
Ouais, bah c'est plus facile à deux, hein, parce que la première fois que je l'ai fait avec la Magos, ce stage, j'en ai chié, hein. Ah bon, moi non, pas du tout. Ouais, mais toi, t'as pris un perso easy. J'ai surtout pris un perso...